Coucou tout le monde. Bon, bah voilà, ce coup-ci, c'est fini. Et voyez que ça ne se touche pas. Même celle qui est de travers, ça touche pas. Celle-là, elle a du mal à passer, mais elle passe quand même. C'est parce que le carton a travaillé durant les années. Et en plus, j'ai du mal à vous la présenter droite. Parce qu'en fait, voilà, il y a un petit défaut. Le carton a vraiment travaillé. Mais la première, nickel. La deuxième, un petit peu, ça coince un petit peu. Celle-là, par contre, elle coince. Mais sinon, les autres, bon, ça passe. Ça passe largement. Et celle-là aussi. En fait, le carton est incurvé vers l'intérieur. Donc, voilà. On peut pas demander à un carton de 30 ans hein, d'être droit. Vous voyez, c'est pas tout à fait droit. L'autre, il est un peu mieux. Mais celui-là se rapproche. Bon, bah, j'ai juste à la maintenir droite. Pour tirer. Tiens, il y a un poil. Est-ce que tu as mangé? Chut. Une question. Chut. Non, j'ai pas encore mangé. Donc, j'ai juste à la tenir droite. Et ça se passe sans problème. Bon, j'ai pas rincé les mousses encore. Hein. J'ai installé, je sais les quelques qui sont lavés. Celle-là, rouge, jaune, violet, vert. Si, ça doit être celle-là. Oui, c'est celle-là qui est lavée. L'avant-dernière et la première. Donc, voilà. C'est terminé. 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 Attendez. Hop. Voilà. Vous voyez les dessins. Hop là. Vous voyez, ça tient vraiment pas de place. Ça, pour ça, c'est nickel. C'est bien pensé. Et on ajuste. Voilà, la première, elle bouge beaucoup. Hein. C'est une meilleure idée que de les mettre dans une boîte. Là, on a la vue dessus. Donc voilà, 6 euros et récup. Bon, et du papier... À quoi, même pas 2 euros, je sais plus combien c'était le papier marbre, je sais plus. Donc vraiment un moindre coût et puis des scratch, des velcro. Donc voilà, c'est les velcro qui accrochent. Donc j'aurai à faire coller cela. Quoique là ça tient. Cela. Ça tient, ça bouge pas. Je verrai à l'utilisation si ça colle au doigt. Ouais, ça colle au doigt quand même. Donc j'en ai 4 à faire. Ça colle les choses même. Donc je verrai. Ah oui, ça ramasse tout.
Donc voilà, il ne reste plus qu'à rincer les mousses et puis acheter un support. Parce que celui que j'ai fabriqué, franchement, zéro. Zéro pointé. Je vais mettre. Si, si. Bah si, j'ai le droit. Je le dis quand c'est pas bien. Là, c'est nul de chez nul. Donc, comme j'aime bien avoir des trucs impeccables, et ben voilà. Donc, ces deux-là sont faites. Je sais pas si on va voir la différence. Celle-là n'est pas faite. Et on voit là, après. Et pas, c'est pas la même. Il y a une différence. Il faudrait que je pousse la lumière. Attendez, je pousse la lumière. J'essaie de vous montrer. Voilà, là on voit bien la différence. Vous voyez, elle est plus blanche. Elle est juste rincée, hein. Et là, elle n'est pas rincée. Il y a une différence. Celle-là, elle est blanche de chez blanche. Celle-là, elle est un peu plus crème quand elle est lavée. Voilà. Bah, je pense que je vais acheter qu'un seul support. Puis j'en mettais très deux sur le dessus. Si ça passe, je verrai. Voilà. Bon, ben, sinon, entre la patouille et le meuble, je m'apprête à faire un meuble pour les encres, les pattes d'encre que j'ai dans la boîte. Alors là, par contre, j'hésite un peu. Je le ferai plus tard. Parce que j'en ai dans les pattes. Je suis fatiguée. Entre les douleurs et puis la fatigue. Ben, si. Dur, dur. Grosse fatigue. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à plus.